Comment le soleil communique l'éclaircie comme une fleur que l'on cueille des orties. Il doit venir comme vient le beau temps. Il doit venir comme vient le beau temps. Oh, donne-moi tout ce que vous voulez, et sans regret je vous le donne. Mais dites-moi où je la trouve, Lee. Celle qui me dira, celle qui me fera, celle qui me dira, où que tu ailles, je vais avec toi, quel que soit le chemin, je te suis pas à pas. Mais dites-moi où tomber, c'est moi qui te relève, Lee. Oh, on dit un nom. Excusez-moi. C'est le retour de Nana Mouskouri là, hein! Fermez-vous, hein, fermez vos portes! Barrez votre clôture! Fermez votre piscine, enlevez l'eau! Nana Mouskouri revient! Tant qu'elle avait pris sa retraite, hein! Au pire, Mireille Mathieu! Le retour de Mireille Mathieu! Non, non, non. Ce n'est que l'errance rénadienne, mais quand même. Aujourd'hui. Mireille Mathieu! Ouh, attends un peu, on va prendre ça relax, là. Mireille! Mireille, là, je voudrais savoir une information assez importante, ben, selon moi, dans mon livre personnel, pour ne pas dire dans mon journal intime. dis-moi donc, toi, ma belle. Ben oui. Ouais, je sais, je dois aller rencontrer un oculiste bientôt, là. Mais Mireille, comment ça, toi, là? T'as pas changé de coupe de cheveux, t'as toujours le même design physique et. C'est que c'est. Parce que t'es une personne quand même qui tient pas au renouveau, qui. Ah, c'est vrai que t'as. Ouais, ok, ça me rappelle quelque chose, t'as voté à Sarkozy, là. Ok, ouais. Alors, la coupe de cheveux, c'est dû à un problème. Du coiffeur, oui. En parlant de coiffeur, j'ai voulu faire une expérience il y a quelques années. J'en ai déjà parlé à la radio, mais comme vous ne m'écoutiez pas comme d'habitude, vous vous en souvenez. Non, non, ils ne s'en souviennent plus. Voyons, regarde-moi Ticu Tremblay qui est là devant son ordinateur. Hey, Ticu Tremblay! Si tu veux que ça fonctionne, cet ordinateur-là, faut que tu le branches, là. Hey, regarde-moi là, toi. Branche-le! Hein? Ouais, c'est ça. Le fil électrique, ça va dans. Oui, dans le mur. Mais pas n'importe quel mur, là, dans la. Oui, c'est ça, là, dans les deux trous. Dans les deux trous. Il faut faire attention, là, du mur, là. Pas les autres deux trous, là. Non. Pas d'un gars, moi, s'il se rend ça dans les narines. T'es bien insignifiant, ben, ça dépend. Si t'es l'homme de 100 000 volts, ça va fonctionner, mais Gilbert Bécaud, il y en a juste un. Ça fait que ça risque de pas fonctionner sur toi, là. Et puis donc, ah oui, c'est ça, j'ai voulu essayer quelque chose à un moment donné dans ma vie, là, sonder à Québec le plus vieux coiffeur. Mais vous savez que pour les hommes, c'est pas des coiffeurs, hein, c'est des barbiers. Non, c'est mon barbier de sénile, moi. Sénile Dion, comment ça va, mais Sénile Dion? Ouais, ça va bien, man. Et je suis allé rencontrer, je suis toujours avec le barbier là, hein. Je sais pas si vous suivez encore là. Restez sage. Et j'ai donc rencontré, pour moi et pour vous en parler aujourd'hui, le plus vieux barbier il y a quelques années, il y a presque un an et demi, qui travaillait sur la rue Dorchester, à Québec, boulevard Dorchester. Et il se vantait, le bonhomme, hein? Il se vantait. Il avait, avec son blaireau, là, il tournait son blaireau. Je croyais que c'était moi, le blaireau, mais là, il me dit, plus vieux coiffeur de Québec, moi. Il n'y en a pas d'autres, plus vieux coiffeur. Ça fait 55 ans, moi, que je coupe des cheveux, moi. Et je me disais, ah, ouais, ça fait 55 ans qu'il rate des coupes de cheveux.
Quand je suis sorti de là, là, il a jamais pris un ciseau. Il a tout coupé ça avec une lame. Je dis, ça devait être un ancien junkie. Hey, t'es-tu un junkie, toi? Ah, oh, ça fait 55 ans, moi. 55 ans, je coupe des cheveux, moi. 55 ans. Moi, je coupe pas, je suis en 4, moi. Je le coupe en 12, moi. Ça fait 55 ans. 55 ans. Ben ouais, ouais, ok, ok, 55 ans, va. Ben. Puis ensuite de ça, comment ça va, vous? Ah, oh, moi, moi, ça fait 55 ans, ça va bien, moi. J'en ai coupé des cheveux, moi. Ah, j'ai même des grandes sommités, là. Des grandes sommités. Sommités! Des personnes reconnues, connues! Ah oui, ben. Est-ce que vous me connaissez? Ben, non, c'est la première fois que je te vois ici. Moi, les jeunes, là, ils viennent jamais me voir parce qu'ils n'ont pas. Moi, c'est plutôt les personnes que je connais depuis 50, 55 ans que je viens ici. Ouais, mais ils n'ont plus un cheveu sur le caillou. Ben, il y en a. Il y en a. Moi, je le plie à droite. Des fois, je le plie à gauche. Je le plie dans le milieu. Là, je fais semblant de couper, hein, avec ma langue. Puis là, je parle. Puis, ah, oh, ben, je parle du bon temps. Le beau temps que. Bon, on n'a plus aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est pas comme avant, là. Ah, oh, hey, avant, on avait du plaisir. Ah, oh, aujourd'hui, c'est plus de même. On rit plus aujourd'hui, c'est plus drôle, là. Ah, hey, avant ça, là, quand je disais aux personnes qui venaient me voir, là, à mes clients, je leur disais, pis comment tu fais ça? Dégager derrière l'oreille, coupe-moi les petits poils dans le nez, dans les oreilles, et c'est tigidou, tigidou, laï. Fait que moi, j'arrivais, là, c'est plus ça maintenant, là. Moi, mes clients ont plus rien sur la tête, fait que ce que je fais, c'est que je replace. Je replace. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a parlé de sa vie et c'était vraiment très, très intéressant. La preuve, je vous en parle maintenant et je vous vois vraiment pendu à mes lèvres. Aujourd'hui, le samedi, c'est quoi de dire? Dépends-toi, moi! Hey, Raymond, dépends-toi! Dépends! Oui, mais c'est le verbe pendre, là. Mais de l'autre manière, là, c'est quand tu te pends et tu veux plus te pendre, tu te quoi? Tu te repens. Ben non, tu te répands, toi. Tu arrêtes de te répandre, là. Non, dépends-toi. Enlève-toi, là. En tout cas.